Yo les amis, c'est Sledge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la saison 3 de Rocket League sans plus attendre. C'est parti! Let's go, on commence directement par la récompense. Donc j'étais arrivé platine, j'ai le droit aux récompenses jusqu'au platine du coup. C'est ça, donc là, cette saison du moins, c'est les boosts. Et donc du coup, j'ai le droit à aller jusqu'au boost de platine. Et ça, ça fait bien plaisir. Ensuite, au niveau de la boutique d'objets, on va voir directement. Il y a des objets gratuits maintenant qui sont proposés. Bon, ça, c'est le chapeau lama. Ok, un des changements très très intéressants qu'il y a maintenant, c'est l'échange. Donc vous pouvez pas échanger directement entre différents comptes, ça c'est toujours pas ajouté sur Rocket League. Mais par exemple, si vous avez des objets d'une rareté commune, vous pouvez en échanger 5 contre un objet rare. Et ainsi de suite, 5 objets rares pour un objet très rare et 5 objets très rares pour un importé. Après pareil pour les exotiques et ça va jusqu'au marché noir. Vous avez également ça pour les plans, mais du coup les plans, bah, c'est 5 plans pour un plan de qualité supérieure, mais vous devrez toujours payer. Ok, je crois qu'on va aller à la partie qui vous intéresse le plus directement. On va aller au Rocket Pass qui a changé hein, directement. On arrive ici avec la toute nouvelle voiture, la Tyranno. Donc voilà, en châssis limité. Comme vous avez pu le voir cette saison, c'est sur le thème de la course. Donc on a des trucs plutôt sympas, les boîtes qui sont des buts un peu courants pour la partie gratuite. Avec voilà, des casques. J'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui a l'air intéressant. Ça vous sont pas ouf ouf non plus. Alors pour ce qui est de ce boost, en vrai je le trouve assez beau, je dois avouer, assez discret. Ok, bon ça c'est des trucs assez classiques jusque là, mais il n'y a toujours pas de skin animé. Pas mal de nouveaux bruits de moteur aussi, un peu normal quand on est... quand c'est la saison de la course hein, finalement. Ça a plutôt quali je trouve. Ah ça par contre ça pète. Ok, ça je dis oui. Ok, ce skin est pas mal pour souligner la Tyranno, mais... Je serais peut-être mieux avec un skin animé. Celui-là aussi peut être pas mal. Ah j'aime bien ce skin un peu cartoon là. Mais je crois qu'il y en avait déjà des skins cartoon. Et ben on arrive à la moitié et... Ah premier skin animé Palais 55. Ouais ok, un nouveau skin animé peut-être pour Palais 61. Ça c'est beau et ça c'est très très beau aussi ça. Bon après ça coûte que 100 crédits dans la boutique mais bon. Le temps de l'avoir. Ok avec un nouveau skin animé, ok ils ont blindé les skins animés pour la fin. Plutôt pas mal, assez discret. Pas mal de crédits encore. Et let's go, ça c'est beau. Le drapeau à damier, ok, niveau 68. À partir du niveau 50 en fait, il y a vraiment des beaux trucs. Avant c'est pas terrible, terrible. Même les roues là, je trouve, elles passent bien. Et là on rentre dans le vif du sujet. Niveau 70, la Tyranno GXT. Plutôt pas mal. Ok, on a le retour de ces mêmes roues mais en version tertienne. En fait sur ce Rocket Pass, j'ai l'impression qu'il recycle pas mal de trucs qu'on a eu précédemment pour qu'on puisse justement les échanger et avoir d'autres, des objets un peu plus rares. Parce qu'ensuite on retourne sur la Tyranno GXT, mais cette fois en version pourpre alors qu'on l'a eu en version grise juste avant. Pareil pour les flèches qu'on a en version violette. Oh, ces roues là elles sont magnifiques en version safran je trouve. Ok, pareil pour le boost qu'on a en version rose. Ces roues là sont pas trop mal je trouve en pourpre. Et donc là on arrive sur les derniers niveaux, on a la Tyranno GXT en version cobalt, les roues en version violette, d'autres roues en version safran, et ensuite on termine sur des 100 crédits. Je trouve personnellement ce Rocket Pass un peu décevant en vrai par rapport aux voitures qu'ils avaient annoncées qui étaient assez dingues. A voir quand la Mustang va sortir, parce que là tout est basé clairement sur la Tyranno GXT, ou même sur la Tyranno classique. Donc je suis pas trop fan de cette voiture, je préfère la Mustang, mais du coup à voir quand est-ce qu'elles sortiront. Il me semble que la Formula sortira, pour ceux qui la veulent, en mai. Mais en tout cas toutes les informations, soit je vous les ferai apparaître à l'écran, soit vous irez checker dans la description. Je mettrai tout ce que je trouverai et tout ce que je pourrai. Ok, donc maintenant je suppose que vous voulez voir à quoi ressemblent les différents boosts. Donc là on a le boost version bronze. Donc sachant que moi je ne suis pas allé au-delà de la récompense platine. Voilà le boost version bronze, un boost qui je trouve assez classique. Ensuite on a le bronze version argent, un peu plus beau quand même. Ensuite on a le boost gold, voilà, avec une plus jolie traînée encore. Et surtout voilà le boost platine. Bon après je suis pas allé au-delà, j'espère que les boosts un peu plus haut sont plus jolis encore.
mais je suis pas trop trop kiff avec ses récompenses de saison. Dites-moi ce que vous en pensez, mais quand même, je trouve que ça, par rapport à un skin comme ça, y a pas photo quand même que le skin animé version gold est beaucoup plus joli. Et ensuite, qui dit nouvelle saison dit nouveau défi, mais je vous laisserai voir tout ça tranquillement de votre côté parce que je trouve pas ça très intéressant. C'était vraiment pour faire un highlight de tout ce qui était sorti pour le moment. Également, comme on peut voir un peu autour, tout le stade est plutôt joli, je dois avouer. Maintenant, il reste plus qu'à attendre les nouveaux châssis. Perso, celui qui me hype le plus, ça reste quand même la Mustang. On va bien voir quand est-ce qu'ils sortent, on va bien voir combien ils coûtent, mais je pense que ça va raquer un peu. Les amis, moi je vous laisse là-dessus en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, à commenter en masse, à partager en masse pour cette nouvelle saison de Rocket League. Dites-moi vos skins préférés en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao ciao. We'll be right back.